Bonjour à tous, je suis Julien Leguet, expert toxicologue chez Cetra depuis 13 ans. Je suis en charge des dossiers réglementaires dans le cadre de REACH et des produits phytosanitaires. Je coordonne également l'équipe dédiée au service sur les perturbateurs endocriniens au sein de Cetra. Un perturbateur endocrinien est une substance ou un mélange qui altère les fonctions d'un système hormonal et induit des effets néfastes dans un organisme intact ou chez sa progéniture. Réglementairement parlant, un perturbateur endocrinien doit remplir trois critères. Premièrement, il induit un effet adverse sur un organisme intact ou sa progéniture. Deuxièmement, il possède un mécanisme d'action endocrinien, c'est-à-dire qu'il altère une ou des fonctions d'un système endocrinien. Et troisièmement, il y a un lien de cause à effet avéré entre le mécanisme d'action endocrinien et l'effet adverse observé. Les biocides et les phytosanitaires ont été les premiers à intégrer les perturbateurs endocriniens depuis 2018. D'autres réglementations vont bientôt inclure ce sujet dans les mois à venir, notamment les cosmétiques et REACH. Les perturbateurs endocriniens sont évalués sur la base de deux sources de données. D'une part, les données existantes que l'on trouve dans les études toxicologiques réglementaires et les travaux disponibles dans la littérature scientifique. D'autre part, les nouvelles données générées par des modèles QSAR ou des nouvelles études spécifiques récemment validées ou en cours de validation par l'OCDE. Cetra peut évaluer les données existantes et procéder à une recherche bibliographique ciblée. Nous pouvons également procéder à une analyse des données manquantes et l'élaboration d'une stratégie de test pour générer de nouvelles données. À ce titre, il est intéressant de noter que Cetra propose la possibilité de générer des données rapidement et à bas coût par des prédictions QSAR. Et nous pouvons également compléter le tableau EFSA requis pour les dossiers d'homologation des substances actives phytosanitaires ou biocides. Il est à noter que ce travail est particulièrement fastidieux et chronophage et nécessite le recours à des personnes qualifiées et expérimentées que nous avons dans notre équipe. Pour plus d'informations sur nos services dédiés aux perturbateurs endocriniens, n'hésitez pas à consulter le site Cetra à www.cetra.com/ed.